Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce vendredi 4 novembre 2022. Dernier jour pour moi avec vous de cette semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste. Lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'intégrité à l'endroit. Elle représente cette carte, la réputation. Et comment le fait qu'elle soit bonne ou mauvaise, eh bien, elle peut affecter votre position future. Ça peut être chez vous, dans votre maison, ça peut être au travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi dans votre communauté. Si votre réputation est importante pour vous, et je pense qu'elle l'est, et pour chacun d'entre nous, alors il est bien de vous rappeler que c'est la façon dont vous vous comportez et dont vous agissez qui va influencer cela. Si vous agissez sans honneur et sans dignité, eh bien, vous pouvez bien vous imaginer que cela va affecter votre réputation, non seulement à court terme, mais aussi dans le temps. Oui, il est plaisant de croire que nous ne sommes pas touchés par l'opinion des autres et que lorsqu'on a une bonne estime de soi, n'est-ce pas, alors l'opinion d'autrui ne peut avoir d'impact émotionnel. Cependant, il n'est pas toujours commode ou prudent de se tenir sur le regard des autres. Et sur le plan social et professionnel, vous le savez comme moi, une bonne réputation, eh bien cela va vous aider à traverser la vie avec facilité. Nous aimons tous être vus sous une lumière positive, socialement et professionnellement. Une mauvaise réputation peut avoir des conséquences bien destructrice, surtout si votre comportement fait que ceux de votre entourage préfèrent avoir recours au service de quelqu'un d'autre ou rechercher une autre compagnie. Alors, faites de votre mieux pour agir et vous comporter d'une manière qui vous rend service à présent et dans le futur. Rappelez-vous que ce que vous faites actuellement pourrait revenir vous hanter longtemps après que vous avez oublié l'attitude sans scrupule ou mal avisée qui est peut-être la vôtre maintenant. Alors vous savez comme moi que la technologie a permis que les réseaux sociaux et les réseaux professionnels soient plus étendus et influent plus que jamais, n'est-ce pas? Le bouche à oreille, c'est la meilleure chose. Le bouche à oreille a été remplacé par les commentaires. Il en résulte, n'est-ce pas, que le monde est plus petit qu'il n'a jamais été et que quelques minutes de recherche sur Internet peuvent être décisives si l'on découvre dans cette enquête virtuelle, n'est-ce pas, qu'il y a des squelettes cachés dans vos placards. Alors si vous dépendez de la bonne réputation dont vous bénéficiez, et c'est le cas pour la plupart d'entre vous, n'est-ce pas? Alors agir avec intégrité en toutes circonstances, cela vous rend service
Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est vrai, la meilleure publicité, c'est de bouche à oreille. Mais il est vrai, encore une fois, qu'avec les réseaux sociaux, pour certains peut-être d'entre vous, qui manifestaient votre mécontentement par des commentaires, bien, ça va, des commentaires qui ne sont pas, qui sont pas agréables à lire, ben ça va pas vous servir, hein, ça, pas du tout. Donc, c'est bien de se cacher devant un écran, hein, mais la réalité, on vous retrouve toujours. Être intègre, ça fait partie de ce qu'on m'a inculqué, l'intégrité. Donc il est important d'être intègre. Eh bien, c'est une belle carte, je trouve, pour terminer cette semaine. Et puis, message de ton âme, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et le pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Faire en conscience, eh bien l'intégrité, voilà. Vous savez, critiquer les autres, déverser son venin, ça vous retourne un jour ou l'autre. Donc, faites les choses avec conscience. Quelle belle synchronicité, n'est-ce pas? Je vous souhaite une toute belle journée, un magnifique week-end dans la joie, le rire, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Et puis, nous autres, on se retrouve eh bien, pour une prochaine capsule. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, et n'oubliez pas, un petit pouce, ça permet à l'algorithme de YouTube de faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. À tout bientôt.